souplesse de travail déjà. Et puis bah, après, on cherchait la production. On avait du volume en plus à faire. Et la salle de traite commençait à être obsolète. Quoi. Donc bah, le robot était l'outil idéal pour ça. Et moi, c'est la passion justement de la nouvelle technologie. Et puis bon, Geller, ça lui correspondait aussi. Parce que nous, on ne s'est pas trouvé perdu du tout quand on est le robot. Au contraire, on a trouvé notre place facilement. Moi, au niveau informatique, je n'étais pas un féru d'informatique. Hein. Je me suis aperçu que c'était facile. C'était pas compliqué. Faut être curieux, voilà. Et puis la passion de se faire du lait par vache, la passion des vaches, ça correspond à ce qu'on attendait. Et du coup, vous avez rajouté la caméra dernièrement. La caméra, ils nous l'ont proposé et tout qu'on fait, bah, heureusement, pour moi aujourd'hui, quand on a investi dans un outil comme ça, qu'on sortait beaucoup de lait par vache, c'est un outil supplémentaire et pour prendre des décisions. Et ça évite de faire des erreurs. Donner une note à mes vaches, je sais faire, moi, il y a longtemps que je sais faire ça. Bon, bah, aujourd'hui, ça nous conforte. Et puis des fois, bah, on peut être à 0,5 d'écart entre tous les deux. On regarde lui et ça nous permet de dire bah, tiens, non, c'est lui qui a raison, c'est moi qui ai raison, ou c'est Geller qui a raison. Voilà, mais c'est clair. Et puis c'est surtout le tarissement qu'on arrive à améliorer. Ouais. On fait des trucs, mais en fin de compte, c'est vraiment primordial. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir des vaches en état d'engraissement, elles sont bien, elles ne sont pas bien. On le sait. Donc elles arrivent là-bas, on sait qu'elles sont déjà bien. Donc maintenant, si on calme bien la ration là-bas, ça roule. On a amélioré. Ça, on est arrivé à le. Parce qu'on a fait des erreurs. Au début, on disait bah, nos vaches, oh, bah non, elles sont bien. Sauf qu'elles avaient beaucoup plus maigres que les génisses. Les génisses un peu trop grasses et puis les vaches un peu trop maigres. Tout ça, il fallait rapprocher ça. C'est ce qu'on a fait. Bon, ça se bat du gros lendemain, bien sûr. Ce qui nous conforte, bah, quand on voit des vaches comme ça aujourd'hui, bah, là, voilà, tout le monde est couché, il n'y a pas de soucis. Elles viennent chacun leur tour en bois, elles sont trop perturbées. Bah, voilà, ça fonctionne. Une vache à elle, et puis sa courbe de production augmente, son état d'engraissement baisse. Et puis, normalement, les deux, sa courbe de production se maintient et son état d'engraissement remonte. Le but, c'est de faire ça et ça. Ce qu'il y a sur la courbe verte, si on arrive à faire ça, on a tout gagné. Il y a une nouvelle manière de vivre, finalement, grâce au robot. Ouais. C'est ça la richesse de cet outil-là. Cette contrainte horaire, c'était devenu pesant parce que c'était trop long. On était rendu à plus de 2 heures de traite le matin, 2 heures de traite le soir. Quand t'as le week-end, tu t'en rappelles. Plus l'alimentation. Donc non, c'est juste pas possible. Juste plus possible. Donc, Ça peut aider à passer un peu plus de temps avec ses proches. Bah oui, en plus, j'ai mon petit gars qui a 4 ans, donc soir il vient faire le boulot avec moi, c'est mon problème. On n'est pas toujours dans le travail. On n'est pas tout le temps. C'est pour ça que j'ai acheté un camping-car pour m'en aller. Pour penser. C'est le seul moyen de me couper. Il y a une vie après les vaches. Ouais. L'outil nous a permis tout ça. Est-ce que vous reviendriez en arrière? Non. Ah non, ça c'est clair.